Bonjour, je m'appelle Jordan, je suis développeur Android chez iConnexion depuis décembre 2018. Pour les technologies, j'utilise Java et Kotlin. Pour ce qui est de l'IDE, c'est plutôt Android Studio. Mes challenges techniques, c'est de travailler sur différents projets. Et comme il y a énormément de projets, je ne peux pas être amené à travailler avec des cycles de développement agile ou Scrum. C'est plutôt sur des projets avec des deadlines, donc c'est à faire au plus urgent par rapport à une date limite. Ensuite, pour ce qui est des applications, il y a bien évidemment les attentes du client, mais aussi les retours utilisateurs, et c'est même des fois les plus importants quand vous avez des applications avec plusieurs millions de téléchargements. Pour l'organisation, pour expliquer le fonctionnement, ça part tout d'abord d'une demande du client. Ensuite, le client va faire la demande à notre chef de projet, qui lui va déterminer le cahier des charges, et ce cahier des charges, il est ensuite transmis au développeur, donc par exemple moi, en tant que développeur Android. J'essaie de voir ce qu'on peut faire, les solutions que je peux apporter, solutions alternatives si jamais ce n'est pas possible dans l'immédiat. Ensuite, je fais le développement, je le transmets au chef de projet et au client pour qu'il le teste, et s'il y a validation, publication sur les stores ou non. Pour les projets open source, je ne suis pas vraiment actif parce que je n'ai pas énormément de temps à y consacrer. Par contre, ça ne m'empêche pas de bosser sur des outils en interne qui me permettent et qui permettent aux développeurs de la boîte de gagner en qualité et en temps de développement. Ce qui me plaît chez Aiko, c'est qu'il y a plusieurs entités. Moi, je fais partie d'iConnexion, mais il y en a plusieurs autres autour, et ça permet de travailler avec des entités sur lesquelles on n'aurait pas forcément travaillé au départ, et quand on travaille avec un autre service tiers, le rapport n'est pas le même. Et puis pour moi, ce qui est le plus important, bah, c'est l'ambiance du groupe. Tout s'est très bien passé quand je suis arrivé. C'était franchement cool, tout le monde m'a bien accueilli et rien que pour ça, ça n'a pas de prix.